Fut Champions, on va se faire un petit défi. Est-ce que vous voulez que je mette le joueur le plus nul du jeu dans mon équipe, genre un joueur bronze, en pointe? Ça vous tente de faire un petit truc comme ça pour le premier match? Quel joueur vous voulez que je mette? Tout le monde me dit Mitroglou. J'ai demandé le joueur le plus nul, vous m'avez tous dit Mitroglou. Bon bah, pas de soucis. Alors, Cristiano Totti, on va le mettre là. Constantinos Mitroglou, on va mettre un petit style finisseur. On va jouer avec Mitroglou en pointe. On va voir ce que ça donne pour le premier match Fut Champions. On joue contre Derzoker 008, c'est pas une grosse team. Et heureusement, je pense que Mitroglou a de quoi marquer ses petits buts. Wow, le positionnement de Mitroglou, c'est quoi ça? Eh, je pense qu'il avait marqué là. Ils ont une révolte là? Non, sur Fut Champ. Allez, Mitroglou, il est passé. Premier poteau. Le crack Constantinos Mitroglou pour le 1-0. Petite fin de frappe, accélération, tout ça. Incroyable. On enchaîne. 1-0. Mitroglou. But de Mitroglou, je pense que c'était pas forcément bien. Je vais mettre un doublé avec Mitroglou. Objectif doublé. Oh, imaginez triplé. Triplé avec Mitroglou, je pense. Je pense qu'il quitte en face. En plus, on a mis une vraie accélération, hein. Pas un petit but de merde. Après, il est entouré de cracks en même temps. Mitroglou sur le côté. L'accélération, encore une fois. Oh, c'était même pas une accélération, ça. Il est en décrassage quand il accélère. Frappe! Oh non, j'aurais pu lui faire la passe. J'aurais pu lui faire à Mitroglou. On va compter ça comme une passe dès le Mitroglou. 2-0. Oh non, j'aurais pu lui faire la passe. Avec une équipe full bronze, je gagne. Oh, je sais pas, mais on pourrait essayer, hein. C'est un challenge. Quoi? Je fais exprès de prendre mon Van Dijk, de reculer, mais non, ça pas suffit. Bon, tant pis, 2-1, ça relance un petit peu le match. Mais j'ai confiance en Constantinos. Pas moyen en vrai, mais on verra bien. Mitroglou! Quel crack! Le troisième but avec Mitroglou. Doublé pour l'instant, en même pas 26 minutes. Il est partout, hein. Finition pour l'instant impeccable. Il est trop fort. Allez, 1-9. Pour Mitroglou. Mitroglou pour le triplé de Constantinos. Ah, il quitte pas en face. Hein. Je pense que je l'aurais quitté. Hein. 35 minutes, tu prends un triplé Mitroglou. Non, c'est trop. On récupère. Pour Mitroglou. Le drag back. Fin de frappe. Ah, dernière occasion avant la mi-temps. L'accélération de Mitroglou. Oh là, la passe, elle est incroyable de Mitroglou. On va l'attendre. On va l'attendre. Pour l'instant, on nous a mis triplé. Une passe D. Incroyable. Mitroglou. Mitroglou, il est parti. Mitroglou, Totti. Le petit lob. Oh, ça manquait un peu de puissance. Ça manquait un peu de calcium. On aura d'autres occasions. Bon, c'était pas le défi le plus compliqué, mais ça passe bien pour l'instant, un petit Mitroglou en buteur. Gullit pour Mitroglou. Pour le quadruplé de Mitroglou actuellement. 5-1, premier match Fut Champions et 4 buts de Constantinos crack Mitroglou. Je pense qu'on peut lui attribuer ce petit nom là. On dit j'ai vraiment pris un but par Mitroglou là. Ouh. Hors jeu, c'est dommage parce que le but de Mitroglou était rentré. Allez, Van Dijk, Totti pour Vieira, pour Mitroglou, Totti. Fin de frappe, drag back. Frappe enchaînée, contrée. Franchement, en finition, il est pas dégueu. Hein. Depuis tout à l'heure, il me fait des vrais trucs. Mitroglou, la fin de frappe. Frappe enchaînée. Oh, mais il est trop fort en finition. 5 buts avec Mitroglou. Il est trop fort. Alors qu'Mbappé, il réussit pas devant les cages, tu vois. Allez, Mitroglou, pour R9. Pour Mitroglou. La passe D de Mitroglou, parce qu'on est sympa. On met des passes hors jeu. Est-ce qu'il lui reste un peu de force? Il est passé. Il est incroyable. Physiquement, il résiste. Ah, oh, dommage, la finition qui n'a pas suivi. 5 buts avec Mitroglou dans le premier match. Sur 6 buts inscrits, une passe D, on va le dire. Incroyable, tout simplement. Allez, on va enchaîner. On va l'enlever, par contre, mais... 11 tirs, 11 cadrés. Meilleur joueur du match, Constantinos Mitroglou. 5 buts. Il a pas de passe D, mais bon, il en mérite une. 9 tirs, 9 cadrés. Homme du match, hein. Je joue une très belle team. Kanté Totti, Gullit, du superstar Alexander-Arnold Totti. Oh, merci pour cet arrêt. Non, je leur donne la balle, on perd 1-0. Pire un marathon pour 24 heures, j'avoue. Non, pas de but comme ça. Let's go. 3-1. Let's go. 3-2. Allez, Arsène.
Alcantara. 3-3. Vamos, vamos. On perdait 3-0 l'équipe. Allez, Kylian. Ou Mbappé Totti. Bon, là, j'avoue que c'est vraiment la carte qui fait la diff. Bien joué, bien joué, bien joué. 4-4. Aïe, 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 aïe. Je l'ai raté. Putain, je l'ai re-raté. Putain. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. C'est le karma du Mitroglou, ça. Putain, je peux en vouloir qu'à moi-même. Non, franchement, ça me dégoûte de perdre aussi tôt. Une team, ouais, une bonne team. Une team qui peut nous faire mal. Non, pas de but de merde direct, s'il vous plaît. Ça arrive d'un compte favorable de base, après je défends mal. T'es lent, fini. Let's go. Allez, un peu de réussite, c'est mérité. Let's go, R9, 2-1. On l'a annoncé juste avant, on a dit ça, faut que ça aille au bout. Et le rage quitte. Incroyable. Pourtant, il était bon le mec en face. Hein. En même temps, je dominais pas mal. Allez, plus que 10 matchs. Allez, on joue une belle team. Mbappé, Neymar. Concentré là, je fais une action incroyable. 1-0. Cristiano finalement. Cristiano Ronaldo. La passe pour Gullit. Let's go. 2-0. Pause demandée par Joshiax. Nul Rivaldo normalement, mais c'est rare de jouer avec Rivaldo. Vraiment, c'est la première fois que je le vois. Deux de mauvais pieds. Ah ouais, c'est vraiment pas un joueur avec qui il faut jouer. 20-1. On joue une belle team. FC Ayrayan, Neymar, Headliners 94. De Bruyne, Totti. C'est un des joueurs que je déteste jouer en général. Oh là là, c'est quoi cette parade? Je le sens pas. Putain, j'étais pas dedans là. De Bruyne, hein, je le déteste, il est trop fort, vraiment, je vous jure. J'aurais dû faire une passe, je pense, non? Oh là 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 là, faut que ça rentre là, allez! C'est incroyable! Ouais, faut que ça rentre là, ça mérite de rentrer depuis tout à l'heure. Putain, De Bruyne, il nique mon match. C'est quoi ça? Je vais casser un truc. Allez, on enchaîne. Tu gagnes. Ouais, après, c'est la vie. De toute façon, même dans la vraie vie, t'as des matchs comme ça où les gens se font douiller. Le Barça, le Real, le PSG. Enfin, t'as des matchs où tu domines, tapes des poteaux. Attends, et là, ça rentre direct, genre. T'as des matchs vraiment où ça veut pas rentrer. Cette occasion, je l'aurais eu 5 fois dans le match d'avant, elle serait pas rentrée 5 fois. Ça rentre tellement facilement, hein, d'un match à l'autre, je comprends pas. Hein. Allez, Kylian, pour le 3-0. Vas-y, R9. Cavale. La puissance d'R9. Il a décalé le gardien. 4-0. La CR7. Il envoie un missile. Du Headliners, du R9 94 en face. Let's go. 1-0. Allez, bien joué. J'ai mal défendu. 35% de possession, le mec. Il joue tout seul, là, au jeu. Oh là là, les contres. Non. Je vais tout casser, mais... C'est quoi ce jeu, sérieusement? Mais non, mais... Il a aucune action du match, il attaque jamais, la seule fois où il attaque. Faut qu'il se passe des trucs comme ça, sérieusement. J'en reviens pas. Van Dijk 99, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Van Dijk. Je suis dans son crâne et y a rien du tout. Pour faire un truc comme ça, c'est qu'il a vraiment rien dans le crâne. C'est incroyable. Ben Yedder en face, elle nous fait mal. Allez, on est sur le pied gauche de Gullit. 1-0. Allez, il me faut un deuxième but là.
Voilà, fallait le demander. 2-0. Il y a écrit au-dessus. Wouah, c'est... Mais c'est quoi ce jeu? Mais... Oh là là. Allez, il est de 3-1. Ah, c'est une belle team encore. Voilà, ce que je préfère, ça. Petite passe D. Merci. 1-0. Premier poteau. Ça rentre. 2-0. Rage quitte normalement. C'est moi qui fais. Let's go. 25 victoires. Plus que deux petits matchs. Il nous faut deux matchs de victoire. Match pour la 26e victoire peut-être, pour peut-être nous permettre ensuite d'espérer un Elite 1. Let's go. 1-0. Cinquième minute, ça fait plaisir parce qu'il commençait à faire tourner en plus direct. Et il rage quitte, super. Allez, 26-3. Match pour le 27. 3 peut-être. Alors, on joue qui? Bernardo Silva, devant c'est qui? Mané, Hazard, ça va. Let's go. J'ai un peu de chance, c'est un peu moche. Mais on le prend. 3 joueurs boost en plus, ou 30 000 crédits, faut voir. Ça dépend de ta chance. Allez, R9 pour le 2-0, let's go. Surtout que je méritais vraiment mieux, j'ai tellement pas eu de réussite ce week-end. Oh là là, j'ai mis un vrai but. R9, pour finir, en beauté peut-être. Prête le plus simple au final. Et le rage kit, ça y est, Elite 1 validé pour ce Fut Champions. Tout ça, bah, c'est grâce à Mitroglou, on va pas se mentir. Oh, 77ème mondial pour l'instant. Bon, bien sûr, ça tiendra pas. Je pense qu'il aurait fallu faire 28 victoires au moins ce week-end pour faire top 100.